Elle est pas magnifique, ma fille? Mais là, il m'embête, il veut jouer avec moi, mais moi je peux pas. Ah, le petit chiot! Et je me suis souvenu d'un conseil d'Elisabeth. Notre amie? Moi, c'était bien, c'était bon. Je n'avais plus bien le faire. Vincent est sur le livre scolaire, ça se passe bien? Dans la baie de Guadeloupe et on sent une effervescence. Il y a un super paquebot qui rentre là-bas et il y a un deuxième à la jupe arrière de Sea Pearl. Il s'avère que ce week-end et particulièrement ce dimanche 11 février, il y a le bouquet final du carnaval de Guadeloupe. Nous devions partir aujourd'hui parce que le vent s'est calmé, mais nous avons été au musée du carnaval justement en se promenant et on nous a vivement conseillé, on devait partir à soit à Marie-Galante ou aux Saintes, mais j'avais plutôt une préférence pour les Saintes. Et on va finalement rester jusqu'à dimanche. Bon, il s'avère que nous avons eu des invités hier soir. Il y a Warthold Adventures qui est venu à bord. On a bien sympathisé. Et on a finalement décidé qu'on allait rester tous ici jusqu'à dimanche pour voir et pour faire profiter aux enfants de ce spectacle. Et voilà, donc il est à peine 8h du matin, même pas, il est 7h30. Et les paquebots vont déverser leur flot de touristes. Jeudi 8 février, nous sommes toujours à bas du fort. Et le vent a complètement tourné. Et voilà. Je veux quand même montrer quand même la stupidité de certains plaisanciers qui se collent il y a grosso modo 4 mètres. Voilà, entre mon étrave et sa jupe arrière. C'est. Je recule un petit peu pour vous montrer. Voilà. Donc super. Je dis rien, mais je filme au cas où. Parce que s'il y a une sacrée bourrasque qui arrive, parce que là-bas c'est hyper noir, il y a un front qui arrive, je préfère prévenir que guérir. Ah, il monte la chaîne, mais sa chaîne, il se l'est collé grosso modo ici, hier soir. Parce que moi j'étais de l'autre côté, moi j'ai 45 mètres de chaîne, donc j'ai de quoi courir derrière, ça va, mais alors lui, on me l'a jamais fait. Et voilà, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. La corne de brume. Va me chercher la corne de brume. Où il y a les jumelles. Voilà, 3 voiliers. Ça n'a pas loupé d'en bas du fort. Il y a un mec qui essaie d'intervenir. Mais trois voiliers s'entremêlent là. J'ai réussi à faire partir le voilier qui s'était mis à notre jupe arrière hier soir. Et je lui ai fait comprendre que il a bien fait. Parce que là on commence à avoir des bonnes petites rafales.
Attends. Ah, il est sorti, ça y est, le mec. C'est bon. Eh bien, il dormait bien. Ah, hagard. Complètement hagard. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà l'inconscience de certains plaisanciers. Il faut quand même le dénoncer, ça, un peu. Merci à lui. Bon, ben, nous sommes toujours à bas du fort. Hein. À force, le zipper va prendre racine. Hein, on va s'accrocher. Non, je rigole. Mais bon, il nous tarde lundi où on va partir à... au Sainte. Mais bon, en attendant, les enfants font leurs devoirs. Ça se passe bien. Et moi, j'avais préparé à la maison ce genre de... la même chose que j'avais fait hein, pour devant, hein, souvenez-vous, j'avais fait ce genre de pare-brise pour nous protéger du soleil. Et bien, j'ai entrepris de faire exactement la même chose pour l'intérieur. C'est-à-dire que ça laisse passer l'air, donc on ne va pas se sentir étouffé aux Antilles, mais on va se protéger du soleil et également des moustiques. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Donc j'avais déjà préparé, j'avais acheté ça là, le rail également, je l'avais installé l'été dernier. Voilà, il y a tout le rail tout le long. Et là je vais faire des découpes et je vais juste, j'ai pas mal de chutes, donc je vais faire une rallonge là. Et ici j'ai acheté déjà des fermetures éclair. Ici je vais mettre des fermetures éclair justement pour pouvoir enrouler le grillage, je sais pas comment on peut appeler ça, hein, le tissu aéré pour aller jusqu'au bout et pouvoir faire le passage. Voilà, donc là je viens de l'installer et on va faire les découpes justement pour que ça tombe super bien. Et je vous montrerai ça étape par étape. Alors voici ma petite boîte à coudre. Donc j'ai les boutons pression que j'avais utilisés, il m'en reste encore quelques-uns. Là j'ai les super ciseaux que j'avais achetés dans un magasin spécialisé de tissus. Et là j'ai bon, pas mal de bobines de fil, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là donc c'est du fil spécial donc traité anti-UV. Voilà, j'ai pas mal de choses. Pas mal d'aiguilles, pas mal de remplacements pour la machine Toshiba. J'ai plusieurs diamètres également de fils et de plusieurs couleurs. Et là, c'était justement les points que j'avais fait avec la Toshiba, ce que je souhaitais faire obtenir correspondant au code des différents points. Voilà. Allez, on a fait un rajout là pour que ça tombe super bien là le long. Et donc là avec une bande on a caché là donc justement on a fait des points multipoints et avec cette bande ça va permettre de cacher le rajout. Et Nunu il m'aide, Océane m'a aidé tout à l'heure justement à raccorder les deux parties. Et là Vincent il me donne un coup de main. Mais là c'est Océane qui nous aide. Hein? C'est son papa. Bon, ben aujourd'hui, nous sommes quel jour? Vendredi 9 février. Toujours dans les coutures et ça prend forme. Hein. Voilà ma réalisation avec fermeture éclair, grosse maille, grosse fermeture éclair. Je vais vous montrer les finitions. Alors, c'est pas tout à fait encore fini, mais ça prend forme. Voilà, donc j'ai mis les pontées. En PVC, il y en a, avec également
le système de bouton pression. Ça, je trouve ça super pratique pour bien tendre. Voilà, avec les finitions, on n'a plus qu'à tendre. Tac. Voilà, donc on est à l'abri. Là, j'ai mis une fermeture éclair ici qui permet de, hop, en enlevant ça, vite fait, on a accès directement au winch pour le Genec. Voilà, encore un petit peu, un petit bouton pression. Et là, également, pour pouvoir tendre la toile. Voilà, et on peut ouvrir. Voilà, et là, ça s'ouvre entièrement. Voilà, donc j'ai plus qu'à faire côté bâbord. C'est encore en état un peu brut, mais il faut que j'aide un copain là bateau pour son ancre et sa chaîne. Je crois que c'est plutôt pour sa chaîne, il remplace sa chaîne. Et je reprendrai ça demain. On a des invités également, un autre bateau copain qui se trouve au fond du mouillage, dont on a fait la rencontre avec famille au mouillage. Ils viennent à bord boire l'apéro. Bon, ben moi je continue. C'était pour vous faire un petit topo de mon avancement. Et le carnaval continue. Nous sommes actuellement au Sainte, à côté de la Guadeloupe. Aujourd'hui, jeudi 15 février, nous sommes toujours au Sainte depuis 3 jours. Nous devions juste faire une halte d'une nuit. Et si nous sommes là depuis 3 jours, c'est que j'ai pris rendez-vous, et j'ai rendez-vous d'ici une demi-heure, chez le dentiste, parce que j'ai un plombage ici, là, en haut, qui commence à me faire qui est tombé. On est à bas du fort. Et je me suis dit, bon, ça va attendre etc. Mais je sentais que, comme la dentine était très proche du nerf, je me suis dit, hop, il va falloir qu'on réagisse assez rapidement. Et vraiment très probable de trouver un dentiste. Mais en se promenant dans les rues, on en a trouvé un petit cabinet où il y a 2 dentistes.
c'est vraiment improbable ici au Sainte, sachant que c'est une petite île. Et voilà, c'est juste là. Là, dans ce cabinet, il y a deux dentistes. Et il m'a pris vraiment entre deux rendez-vous parce que je lui ai dit que nous étions au mouillage. Et c'est vraiment très sympa de sa part. Donc je vais me faire soigner cette dent. J'arrive un petit peu en avance. Et voilà. Ça doit être des frères et sœurs. Ou un couple. Voilà, je suis sorti du dentiste. Il m'a soigné la dent, il m'a mis un composite. Il me fait un peu mal. J'aime pas aller chez les dentistes, moi. Je sais pas vous, mais moi, j'aime pas. Bon, ben, nous sommes toujours au Sainte. Il est 11h30, on va manger et on va lever, du moins libérer la bouée où nous sommes pour nous rendre à Bouillante où nous allons mouiller pour la nuit et direction après le lendemain dès notre déclaration de clairance de sortie. Nous allons quitter le territoire français de Guadeloupe. Et vendredi 16 février, nous sommes arrivés à Bouillante. Et nous étions donc hier au Sainte et pendant la nave. Il était quoi, vers les coups de 15h où le soleil tapait le plus. Nous avons entendu sur Sea Pearl un grand boum. Mais un boum incroyable. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est une bouteille de gaz de plongée qui a explosé, je sais pas. Et non, c'est tout simplement notre paddle dégoûté. Un paddle de chez Decathlon qui a éclaté sous l'effet de la chaleur, je présume. Il s'est complètement ouvert. Bah, c'est irrécupérable ce truc. Hein, parce que voilà, c'est... Il y a même de la fibre à l'intérieur, je ne savais même pas qu'il y avait de la fibre. Mais je suis dégoûté, surtout les enfants sont dégoûtés. Donc on se met en quête, donc j'ai regardé sur le bon coin, etc. Les petites annonces ici en Guadeloupe. S'il y avait des paddles pas trop chers, d'occasion, mais non, il n'y en a pas. Donc sans doute qu'à Saint-Martin, on ira à Saint-Martin d'ici une petite semaine. On va se mettre en quête d'en chercher un pour les enfants parce que c'est vrai qu'ils s'amusent bien avec. Mais sinon, voilà, Bouillante au petit matin. J'ai nagé tout autour du bateau, c'était fort agréable. Pas mal de Français, Canadiens, Américains. Mais c'est super calme, on a bien dormi. Et les enfants font leurs devoirs, comme tous les matins. Et vers les coups de 13h30, on lève l'ancre pour aller pas très loin, hein, c'est à 1h30 d'ici à D pour faire notre déclaration de sortie, notre clairance donc. Mercredi 21 février, nous sommes à Joliarbourg, à Antigua. Nous avons passé la nuit, super. Nous allons y rester 2 jours, déjà pour nous reposer, parce que la navigation a été assez musclée hier avec des 25 nœuds de vent. Apparent, mer croisée, c'était pas mal, voilà, c'était une navigation assez intense. Et pour revenir sur le paddle, on a dû se résoudre à le déposer à la déchetterie parce que malheureusement la couture n'avait pas la soudure que j'avais faite, du moins où j'avais mis de la colle, et pourtant ça a été de la colle pour hypalon, etc. n'a pas tenu, donc mais je tenais à remercier Stéphane et Gigi pour leur gentillesse et leur vraiment leur gentillesse et leur dévouement pour nous amener à Decathlon en Guadeloupe
où nous avons acheté un nouveau paddle. Alors j'espère que celui-ci sera beaucoup mieux. Alors j'ai bien regardé au niveau des coutures, apparemment ce n'est plus collé mais thermosoudé. Donc le phénomène qui devrait comment dire se déchirer par l'effet de la chaleur et du soleil devrait disparaître, sachant qu'en plus il préconise de le gonfler à 15 psi, là comme on le voit, 15 psi. Du coup je l'ai gonflé avec le gonfleur électrique, j'en ai mis 11 psi, comme ça l'effet de du soleil également permet de détendre, de le gonfler un petit peu plus à l'intérieur. Donc je prends un peu moins de risques également qu'il se mette à s'éclater. Voilà, ben c'est une belle journée, on va aller cet après-midi, les enfants font les devoirs comme tous les matins, et cet après-midi nous allons à la plage. Et bonjour à tous, aujourd'hui vendredi 23 février et nous sommes au large, du moins non, près des côtes de Saint-Kitts et Nevis. Donc on va passer entre les deux îles et on va aller mouiller ici où on a fait une super navigation. On est actuellement à 8 nœuds et une moyenne de 7,4 avec un maximum de 10 nœuds. C'est extraordinaire. On est super content, on a fait une super belle nave. Et pour couronner le tout, il y a 5 minutes, on vient d'attraper un super poisson. On ne sait pas ce que c'est encore. On va chercher. Mais costaud, hein, la bête, hein. Costaud. Voilà. Donc on arrive dans une heure à peu près. Voilà. Nous découvrons notre mouillage qui va être juste derrière. Alors Vincent, oui, cette navigation, hein, elle était rapide, hein. Ben, il était pris du 7h, on en a fait que 5. 5h30. Ah bon? Bah ouais. Ça t'a paru long? Très. Très? Trop. Trop? Oui, trop. Bon, demain, on va rejoindre les copains. Ouais, ça c'est bien par contre. Mais là, il y a 8h. Ça te paraît court? Ça te paraît long? Et deux. Les deux? Bah, tu vois, ça dépend où on met le curseur du coup. Ouais. Magnifique paysage de Saint-Kitts. C'est vraiment très beau, très très beau. Et là-bas où il y a le catamaran jaune, il y a une sorte de cargo ou un ferry, je sais pas, qui s'est échoué, mais un paquet d'années sur la plage et il est en train de se faire dévorer par la rouille. Et on va voir, on va essayer de se mettre là-bas. Salut les amis, mais là nous sommes arrivés à Saint-Barth. On voulait aller d'abord avec Kiki à Marigot, à Saint-Martin. J'en perds un peu mes mots parce que j'ai eu un peu la frayeur de ma vie, parce que en pleine navigation on était avec Océane là, tous les deux on était sur les transats en train de jouer, on faisait le pendu, on faisait les mots, le morpion, etc. Bon, on essayait de passer le temps. Et tout d'un coup, je vois
décrocher des vallées à une vitesse folle. La GV, et pour cause, la GV s'est pété carrément tout en haut avec la friction. Ça a complètement pété et la GV est complètement descendue dans le lazy bag. Alors heureusement que j'avais bloqué la balancine, que je l'avais pas libéré de son bloqueur, sans quoi on se serait trouvé la bombe sur la tête, clairement sur la tête. Donc elle est mouflée. Alors souvenez-vous, j'avais fait une vidéo quand nous étions à Tiralbe et on était monté en haut du mât. Du moins j'étais monté en haut du mât et j'avais constaté déjà qu'il y avait eu la drisse. Du moins, elle était, comment dire, rongée, comme abîmée déjà. Je l'avais enlevé, j'avais raccourci la drisse de GV, pensant que ça allait régler le problème, mais non. Donc il va falloir que j'aille en haut du mât et on va enlever ce système de mouflage qui, je pense, quand la poulie se tortille, parce qu'il faut savoir qu'avec le mouflage, la poulie elle a tendance à s'entortiller par elle-même. Alors c'est vrai que quand on étarque bien la drisse de GV, il s'avère que la poulie elle tourne, mais des fois non, des fois elle tourne pas, et je pense que par cette friction des deux bouts ça a tendance à se ronger. Je sais pas, j'arrive pas à expliquer. Si vous avez une solution ou une explication à ce problème, il va falloir que je monte en haut du mât pour je vais mettre la drisse, mais non en mouflage. Je vais pas la moufler, tout simplement. Bon, ben on est à Saint-Barth du coup, hein. On est devant, voilà, toutes les deux minutes ça va nous gonfler assez rapidement, ça, parce que toutes les deux minutes il y a un avion et la piste d'atterrissage se trouve là-bas. Il y a énormément de monde, paquebot, yacht de luxe, des bateaux abandonnés, par exemple même bateaux dématés. Ouais, en état, vraiment, il y a des bateaux en état un peu d'abandon. Il y a des bouées, alors toutes les bouées sont prises. Nous on est à l'ancre, voilà, il y a 10 mètres de fond. On va y rester 2 jours, on va louer une voiture demain si on peut. Et on va aller visiter l'île de Saint-Barth. Et lundi on part pour Saint-Martin rejoindre des amis. Nous avons plein de bateaux copains là-bas qui y sont. Ça nous fera plaisir de les revoir. Voilà, mais bon là j'ai eu une petite frayeur quand même, j'ai eu peur quand même, parce que on comprend pas au début quand la voile se... Comme si on avait ouvert le taquet, hein, le bloqueur, c'est assez impressionnant le truc. Surtout quand la bombe commence à venir très très près de la tête. Mais bon, heureusement j'ai eu la présence d'esprit de bloquer la balancine. Bon, petite frayeur, on va réparer tout ça et ça va aller mieux. Allez, à plus. Voilà les amis, voilà la drisse, notre drisse de grande voile. Je viens de l'enlever de l'intérieur du mât. Voilà dans quel état elle est. C'est incroyable.